Connaissez-vous ce sentiment de ne pas être traité comme les autres? L'impression qu'on vous fait moins confiance, qu'on ne vous prend pas au sérieux ou qu'on ne tient pas compte de vous? Parfois, la situation est claire, parfois, vous pouvez avoir un doute. Quand des personnes sont moins bien traitées, qu'elles ont moins de droits ou que leurs limites ne sont pas respectées, il y a discrimination. Les personnes sont victimes de discrimination sur la base de différentes appartenances et préjugés qui souvent viennent se superposer et agissent en même temps. La discrimination constitue une violation des droits humains fondamentaux et est interdite par la loi. Vous avez le droit à la participation et au respect, et vous pouvez vous défendre. Tout le monde ne réagit pas de la même manière dans une situation donnée. Parfois, on décide délibérément de ne rien faire. Dans d'autres cas, on cherche à imposer ses droits, seul ou avec le soutien d'autres personnes. Parfois, il est bon et utile d'obtenir un soutien professionnel. Nous sommes là pour ça. Les centres de conseil contre la discrimination vous aident à comprendre votre expérience et à revendiquer une égalité de traitement. Nous vous offrons un lieu pour vous confier. En ligne également. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans un centre de conseil parce que vous habitez loin ou parce que votre mobilité est réduite, ou encore si vous préférez communiquer avec nous par écrit, vous pouvez nous joindre sur Internet. Nous vous conseillons par email, chat ou vidéo. Pour nous, il est important que vous vous sentiez compris et en sécurité. Nous vous écoutons sans douter de votre parole. Nous pouvons exiger des prises de position ou organiser un testing pour clarifier les situations incertaines. Les personnes qui nous consultent souhaitent souvent que la partie adverse assume la responsabilité de ses actes. Cela peut prendre la forme d'excuses, d'indemnisation pour les dommages causés ou d'un changement de mentalité et de pratique. Nous rédigeons des lettres de plainte et vous assistons lors d'entretiens de médiation. Notamment quand les enjeux sont de taille, il est impératif pour les personnes qui nous consultent que la discrimination cesse. Toutefois, elles ont souvent peur que la situation empire si elles réagissent. Nous vous conseillons quant au recours juridique à votre disposition et vous soutenons si vous souhaitez faire appel à la justice ou à l'opinion publique. Ensemble, nous déterminons ce que vous souhaitez faire ou pas. Nous développons avec vous la stratégie qui vous convient et la mettons en œuvre à vos côtés ou en votre nom. La décision vous revient. Nos services sont gratuits. Nous vous soutenons et défendons vos intérêts. Nous travaillons dans le respect de la confidentialité et ne transmettons aucune information. Vous décidez des procédures à mener ou non. En tant que centre de conseil, nous sommes indépendants et n'avons aucun lien avec l'administration. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de soutien ou si vous avez une question.